Oui, j'arrive. J'arrive de suite. Je suis un petit peu à la bourre, mais j'arrive de suite, hein. Mais même en retard, impossible pour lui de quitter son domicile sans un teint hâlé, comme Johnny. Faut toujours avoir au moins l'air d'avoir bonne mine. Si on n'a pas la chanson. Salut mon Johnny, à tout à l'heure. Allez. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. La découverte de Johnny, un choc pour Richie. Une manière de se rebeller contre son père militaire, fan de Tino Rossi. Adolescent, Richie connaît la délinquance et les maisons de correction, mais grâce à Johnny, il rêve d'autre chose. J'avais 11 ans, j'avais 10-11 ans, il est arrivé ce beau blanc magnifique qui bougeait comme un fou furieux. Il nous a amené Elvis en France, quoi, puisque pour nous c'était Elvis français. Il se roulait par terre, il déclenchait des bagarres générales, il y avait 400 000 gonzesses à ses pieds. C'était un dieu. Et de l'autre côté, on avait Tino Rossi. Bon, choisis ton camp, camarade. Il nous a foutu la révolution, il nous a foutu le bordel, c'était génial, quoi. On ne pouvait s'identifier qu'à ce mec-là, quoi. Johnny Hallyday était né. Richie rêve alors de gloire et veut devenir chanteur. Mais malgré plusieurs tentatives, sa carrière ne décolle jamais. Sa ressemblance avec Johnny Hallyday le pousse il y a 17 ans à se lancer dans l'univers des sosies. Bon, comme d'habitude. Aujourd'hui, il donne une centaine de concerts par an. Forme, le plaisir. Mon Fredo ! Chaque semaine, il retrouve ses musiciens, car sur scène, aucun playback pour Richie. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient d'une. Pour les mots ne sont jamais les mêmes, non. Pour exprimer ce qu'est le but. Le mimétisme avec la star ne suffit pas. À chacune de ses répètes, Richie est comme au Stade de France. Il vise la même énergie à la note près. Et aujourd'hui, son batteur n'est pas assez concentré à son goût. Mais tu t'en rappelais pas du final. Non. C'est pour ça. J'ai compris. J'ai compris. Et on refait le vrai final. On fait le vrai final. Allez. Moi, en tant que sosie, le public ne me pardonne rien du tout. Autant à Johnny, on lui pardonne tout, ce qui est normal et évident en plus. Autant moi, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut chanter, il faut savoir au moins chanter, quoi. Avoir le grain, avoir la justesse dans la voix, être en place, voilà, c'est ça. Le travail est là. Il n'est pas dans le sosie. Le sosie, c'est ça, ma mère a dû déconner il y a quelques années de ça, avec le père à Johnny, et puis c'est tout. Ça, on ne trouvera jamais d'explication là-dessus, quoi. Mais si tu avais la même voix et que tu ressembles par exemple à Sim. Il aurait, non, mais j'aurais choisi autre chose. We're what are you doing for the morning, for the show? We got the radio on a good. Deux fois divorcé, père de deux grands enfants de 25 et 29 ans, Richie consacre aujourd'hui toute sa vie à Johnny. Une passion qu'il a parfois du mal à faire partager à son entourage. Comme avec Mylène, sa nouvelle compagne, une esthéticienne de 26 ans. Ça va, Mylène? Ça va, bossé? J'ai pas arrêté. T'as ramené beaucoup d'argent? Depuis 4 ans, elle partage la vie de ce sosie. Mais pour elle, pas question de passer ses soirées à l'applaudir. Un léger désaccord dans le couple. Dans 2 jours, Richie se produit à Narbonne, une date importante pour lui, alors cette fois, il compte sur sa présence. C'est une grosse soirée qu'il organise là-bas tous les ans. C'est une soirée méga kitsch, il l'appelle, si tu veux. Et il a dans les 1000 personnes, 1000-1200 personnes, tu vois. Ça va être vachement cool, vachement sympa, tu vois. Voilà. Ça me ferait plaisir que tu viennes, tu viens jamais me voir. Et réfléchis-y, mais ne me dis pas non. Tu réfléchis, tu me dis pas non, et puis dimanche, tu me diras, je viens ou je viens pas. Oui, bien sûr, puisque tu as le choix entre je viens ou je viens.
Mais pourquoi tu viendrais pas d'ailleurs, au fait? Mais cet effet de foule, de masse, j'aime pas. Je suis pas bien, je me sens pas bien. Voilà, moi, les gens, j'ai l'impression qu'ils me regardent, voilà, donc ça, me regarder. Mais oui, mais j'aime pas ça, j'aime pas. C'est pas moi la star, je veux pas passer pour une star, je suis pas une star. Et moi, j'aime pas que tout le monde te regarde non plus, ça tombe bien, mais bon. J'aime ma petite vie tranquille. Je sais, bébé. Je peux pas te promettre, je sais pas. On verra, d'accord. On verra. Je vais réfléchir. Tape. On verra. C'est une poupée qui fait non. Toute la journée, elle fait non.